Quatre musiciens dans le vent, plus un technicien. Et à eux cinq, ils sont partis pour plusieurs mois d'une tournée verte, à vélo, mais en voiture électrique pour le matériel. Une tournée avec zéro émission de gaz à effet de serre. C'est une poubelle remplie d'innombrables villes, immondices et décibels de mon espèce incivile, qui s'organise par endroits, qui revendique biens et droits, certifiés de père en fils, cravatés dans leur office. Ma planète est une forêt peuplée d'ingrats résidents, menacent les intérêts de leurs propres descendants. Se croient-ils tous invincibles? Brandiront-ils tous leur bible derrière un chariot de course après tarissement des sources? Je me sens bien quand je rentre de tournée en disant voilà, j'ai réussi à faire une dizaine de concerts comme ça sans émettre de CO2 pour les déplacements. Je suis né loin d'ici, loin d'ici, loin de ton inertie en béton. J'ai connu le silence, silence avant l'attaque, taquinant la violence des matraques. M'accueilleras-tu chez toi, toi qui ne sais que faire, faire, mais tes yeux pour toi, toi et ton hémisphère. D'ici une maison singulière à l'allure discrète et mordue par le lierre dans une ruelle abandonnée. Elle a deux fenêtres, une rouge et une verte, mais se distingue surtout par sa porte entrouverte à toutes les heures de la journée. Si d'avril à septembre on comprend que cette nuit reste ouverte de 01 jusqu'à minuit s'exposer au courant d'air. Le mystère prend son sens quand l'hiver en revanche nous parle de rigueur pour que nos nuits soient blanches et que nos matins soient polaires. Bienvenue mon ami, entendrez-vous alors que vous vous pencherez trop à travers ce pylore dans le respect du savoir-vivre. Saurez-vous résister en entrant prudemment à la vue des bouteilles dans leur alignement et leurs promesses qui nous ennuyent depuis combien d'années, combien de lustres, combien de gens connus et d'inconnus illustres, combien d'années, combien de lustres, combien de gens connus et d'inconnus illustres.
Écoute, c'est pas mal, hein.